Nickel, désolé. Merci. Du coup, le shérif, c'est un rôle particulier. Le mec qui est shérif, personne ne sait qui est le shérif. Il peut kill un imposteur s'il capte que quelqu'un est un imposteur. Ouais. C'est exactement la même animation que s'il était imposteur aussi. Du coup, ça peut créer un peu des confusions. Ah, ça peut créer un malaise, ouais. Voilà. Et aussi, sache que si tu es shérif et que tu penses que quelqu'un est imposteur et que tu décides de le tuer, mais qu'en fait, cette personne est crewmate, c'est toi qui meurs. Et pas le mec. Allô. Non, c'est toi qui meurs. Allô. Ah, c'est vraiment c'est le mode du murder de oui, Garry's Mod, quoi. C'est, d'accord, bon. C'est ça. Mais je fais des tests. Chose. Non, je fais des tests pour c'est mes bagnes, mais du coup, je peux pas. Antoine est très faible. Bah, tu peux le monter en solo. Allô, Max. Il est au max. J'entends tout le monde très bien. Moi. Mais c'est parce que t'es loin, tiens. Non, mais voilà, mais le. J'ai eu pareil. Le chat, réfléchissez après. Ah, Xari. Ils m'ont fait le même coup. Bonjour, Xari. Vous êtes con. Eh ben, on est 10. On a réussi. C'est la folie, hein. Attendez. Moi, j'aurais peut-être un écran noir. Je me connais. Non, dis pas ça. Non. Merde. Pas la merde, là. Ouais. Moi, j'arrive vraiment pas à me mettre des binds. Ça ne marche pas. C'est dommage. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bah, tu sais, genre pour me mute ou quoi, pour parler à. Aux fleurs, par exemple, ton tu vois. Chat, à ta communauté, ouais. Moi, je t'entends plus à droite. Bon. Je vais. C'est normal, je suis à ta droite. Game. On va simuler une game, cool. Vous allez me suivre au début, peu importe les rôles, on va pas la jouer, celle-là, d'accord? D'accord, okay. Ok, ça marche. Ok, okay. Ouais, je vais juste baisser les yeux. Juste vous montrer des trucs que ça marche bien. Ok, bro. Pas tout. Ok, mec. Oh putain, ça commence. Allô? Ouais. Let's go! Oh non, les gars, je suis crewmate. Alors, vous avez ici déjà une place qui a changé normalement pour tout le monde. Ah, ouais. Donc là, vous êtes censé avoir le reset du Wi-Fi, c'est ça? Oui, moi j'ai exactement ça. J'ai aucune tâche, moi, j'ai personne. Non, mais, vous voyez que sur le mur, en tout cas, c'est pas le machin bleu habituel, le carré, c'est un Wi-Fi. Ouais. Ok. Super. Donc, ça veut dire que du coup, vous allez devoir revenir après, plus tard dans la partie au dropship. Donc ça, l'intègre au jeu, quoi. Ok, c'est d'accord. Suivez-moi. On te suit, le chef. On te suit. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? Alors, les imposteurs ici peuvent prendre la vent. Normalement, celle-là, elle est connectée de droite à gauche. Maintenant, oui, celle-là, ouais. En fait, elle est reliée au réseau avec le storage, avec communication et avec office. Oh, c'est trop fort. D'accord, ok. Okay. Par contre, elles sont plus connectées entre elles. Et celle de gauche, donc celle-ci, mais qui est à gauche, elle connecte avec caméra, Antwood Electrical et O2. C'est okay. La même chose qu'avant. Non, ensuite, c'est normalement connecté quand les deux là-bas. Okay. D'accord. C'est un peu la présentation des nouveautés là, c'est ça? C'est la visite guidée. Oui, c'est la visite guidée. Voilà, donc ça c'est Vitals, qui est ici maintenant. Vitals. Mais non, c'est Vitals ici. What the fuck, bro, comment ça se fait? Juste what the fuck, en fait, c'est injouable. Juste what the fuck, ouais. Ah oui, c'est injouable. Je cut le stream. En fait, c'est parce que normalement Vitals sur Polus c'est couvert par une caméra et y'a pas de vent à côté, du coup tu peux jamais mourir sur Vitals. Et du coup là, si tu veux venir voir Vitals, tu as la vent en dessous à droite. Ah ouais, mais c'est des modes à ce point là, mais what the fuck? Attends, quoi? Attends, j'ai pas compris là, t'as dit quoi? On peut pas mourir au Vitals? Bah en fait, quand tu joues normalement sur Polus avec des gens qui savent un peu jouer, quand tu vas sur Vitals en fin de partie, tu vas jamais mourir, c'est impossible, c'est trop bien couvert. Ouais, et t'as le buzz à côté, donc en fait t'as aucun risque de voir un mec mourir, ah oh, bah je vois buzz. Alors que là, si tu vois, genre imagine on est plus que 6, il y a un kill, oh j'ai envie d'aller buzzer, bah pour aller buzzer je dois quand même avoir une déter. C'est vraiment, c'était pensé pour les try harder. Et du coup, l'autre truc c'est... seulement je pouvais me mute. Non, pardon. Ouais, non, j'essaie de mute, mais en fait, je peux pas me mute, mais mes bagnes ne marchent pas. Ah merde. Ça dégoûte. Ah merde. C'est la vie. Même les contrôles et tout. Ouais, bah justement, je contrôle, c'est ce que je mets, hein, bagne, mais ça marche pas. Je suis un poster. Oui, je sais, je t'ai vu 20 con. On a perdu la classe, mais vraiment, les derniers de classe, putain. Ils sont où? PA, un couteau en plus. Ils sont là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Merci Bribri, j'ai Bribri. Il est trop fort, Bribri. Voilà, du c'est coup, vive Bribri. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, et à gauche. Ah oui, non, et à gauche, vous avez une nouvelle température. Ici, c'est la map, enfin la task du vaisseau de base. Du début, ok. Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ils ont inversé les deux, en fait. C'est inversé, ok, ouais. Ok. Jure, toi. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde est en mode chien? La température du labo a été mise là, parce qu'en fait, sinon, venir ici, c'était. Il n'y avait aucun intérêt à venir ici pour les comètes. D'accord. À part pour le coupe-gorge ici, donc du coup, ça permet de. Oui, c'est la vallée de la mort, effectivement. Et attends, et du coup, voilà. Quelqu'un qui est shérif, il a. C'est marqué en dessous, il y a quelque chose? Il est marqué kill. Il est doré normalement. Mais c'est un feu jaune, ouais. C'était en jaune, ouais. Et c'est le mode qui fait qu'on a tout ça différent? Ouais, c'est Petapolus, c'est ça. Oui. Ah, j'ai réussi à mute les fleurs, c'est bon. Là, vous m'entendez pas, on est d'accord? Genre, par exemple, si je traite Jiraiya d'énorme connard. Il continue à parler comme si de rien n'était, c'est ça? C'est pas exactement comme Murder, du coup, tu peux ramasser le pistolet. Super. Et t'as fait le truc DF où tu le mets très. Enfin, comme s'il y avait pas de shérif au début ou. Non, mais là, de toute façon, cette game, on va la quitter. Oui, non, c'est juste pour montrer un peu. Oh, j'ai vu!
Oh, mais putain, on peut pas quitter. Je sais parce que je suis imposteur avec lui. Bon, allez. Non, putain, la balance, c'est trop. Putain. Voilà. Putain, il a vu quoi. J'ai écouté DFG, peut plus parler. Ah oui, DFG peut plus parler du coup, super. Ah oui, merde. Bah oui. Oh non, le guide touristique. Mais de toute façon, on avait tout vu, non? On a pas tout vu. Allez, hors le bouffon, tu penses, ta gueule. T'as un truc à apprendre en plus. Oui, c'est bon. Moi, je pense qu'il ferme sa gueule le fait de tout soir en fait. J'ai voté étoile perso, je trouve très. Mais le jeu est modable à ce point-là, mais du coup, que font les devs? Parce que s'il y a des trucs aussi obvious, ça. Bah, j'avoue. Ils sont en tango Bahamas. Je sais pas, franchement, début 2021, ça devrait arriver la prochaine map. Ouais. Agressif. Ils sont gauchis. C'était pas si sûr que c'était moi, hein. Pour le coup, peut-être que vous êtes. T'es ma gueule, imposteur. On live, on se casse, on refait une game. Ouais, ah oui, mais faut pas le. On pourrait juste faire une scène pour YouTube, s'il vous plaît, genre en mode bluff. Il veut juste une petite vidéo. Vas-y, tue-moi, vas-y, tu peux. Vas-y, tue-moi, PA. Ouais, viens, pour. Il ouais. Un truc, genre, ouais, j'arrive comme ça. Vas-y, on fait genre. Moi, je fais ma quête en bas, Ouais, tu fais ta quête. Je pense pas. En vrai, je pense pas que ce soit PA, parce que. PA, j'ai un peu parlé avec lui, et honnêtement, je pense vraiment pas que ce soit lui le tueur pour le coup. Oh, y'a un. C'est PA le tueur! Oh non, vous étiez où? Pas fait ça. J'étais au labo. C'est où? C'est en bas à droite. Putain. Ah non, mais Bagheera est trop bizarre. C'est un truc de fou. Vous m'entendez ou pas? Ah, maintenant je suis mort. Je vote Bagheera. Ah, mais les morts, okay, vous m'entendez là? C'est parfait, j'ai ce qu'il faut pour le best-of. On peut quitter. Bon, merci à tous. Yeah, pas de soucis, allez, on peut quitter. Yes, on a gagné, let's go! Super. Heureux. Putain, bien joué, père. Pourquoi on a deux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est super beau le jaune. Ah oui, il est beau, hein, ce skin. Ah, attends, c'est une nouvelle room! Vite, le jeune. Putain, vite, le jeune. Excusez-moi, on était un peu en retard. Let's go, let's putain de go! Pardon. Re. Ok, re. Y'a pas de problème, personne n'a bugué, personne n'a. Non, c'était super, c'était super. Désolé les gars, c'était bien, j'étais shérif et je vais plus l'être de la soirée quoi. Let's go! Trop hâte que PA soit 100% crewmate ce soir. Un petit peu bagarre, c'est vrai. On est crewmate for PA. Effectivement. Pas de ceinture. Ça va être combien le pauvre PA de ouf. Je vais skipper les amis. Tiens, je vais me mettre là pour vous remercier un petit peu parce que ça fait un petit moment. Merci Korn Live pour le prime, Steak de Chameau pour les 100 bits, Bobo Rasta pour le 7ème mois, Mohican pour le 2ème mois. Tu joues à ton niveau max pour YouTube ou... Hugo pour le 2ème mois, Katsu pour le 2ème mois, Mokolito aussi pour l'abonnement, Dragon du cul pour le 8ème mois, merci Euleyo pour l'abonnement, The Korn Live pour le subgift, Nox pour le 3ème mois, Aoki Kari. Non, Aoi Kari pour le 6ème mois, merci beaucoup, Icolux, merci pour le 3ème mois, Marie-Amélie, merci pour le 2ème mois, Swiss Freeze, merci pour le 4ème mois, Alexandre, merci pour les 100 bits. Sneakers Deluxe, merci pour le 2ème mois. Je suis un poster, putain. Swiss Freeze, merci pour le 4ème mois. Alexandre, merci pour les 100 bits. Sneakers Deluxe, merci pour le 2ème mois. Lalous, merci pour le 9ème mois. Chiki, merci pour le 2ème mois. Keldaru, merci pour le 4ème. Et Beyuz, merci beaucoup pour l'abonnement. L'enfer. Ok. C'est chaud. Merci beaucoup, Grexbuster, pour les 300 bits. Merci. Bonjour. Ah, merci. Ah. Ok. Attendez, mais qu'est-ce que je fous, putain? Ouais, attendez, j'ai mais pas envie de tout modifier. Votre jeu, parce il lag un peu aussi ou pas? Non, ça lag pas pour moi. Ok. Mais du coup, mes alertes, elles sont hyper basses sur Streamlabs. Oh, de quoi? Les amis, j'ai un peur. Alors, je pense que. Je pense avoir quelque chose, mais je te laisse parler en premier, Jean Castex. Je l'ai vu tuer à la caméra étoile. C'est Xari. Ah bah ouais, c'est sûr. Quoi? Ok. Ah, ok. Très bien. Eh bien j'ai voilà. Rien entendu, j'étais mute. Hein. C'est Xari. Mais attends. Moi j'ai voté. Comment ça? D'où? Bah, où? C'est c'était parti, où? On va c'est voter quoi aussi. J'étais. C'est là-bas. J'étais avec mes amis. Il est mort. Étoile est mort à Ex Vitals. Non, on l'a vu, on l'a vu. À Ancien Vitals. Jiraya était avec moi vers les cams. Je sais pas si c'était au cam. Jiraya, t'as rien vu. J'y allais et puis je suis remonté remettre les. En tout cas, je veux confirmer que j'étais aux caméras, Jiraya. Ah oui, je confirme à 100%, voilà. Avec une voix grave d'ailleurs. Alors, j'ai découvert DFG, du coup j'ai découvert l'autre corps. Et en fait j'étais avec Ultia, Ponce est descendu. Donc on était au niveau, tu sais, juste à côté de communication. Ponce est descendu, il est remonté. Et en plus, en redescendant là où il était, donc en bas de O2, eh bien j'ai trouvé le corps de DFG. On a les deux.
Ok, donc, mais mec, je suis de l'endroit, de l'endroit où était le corps. Moi, je me fais juste agresser là pour rien. Moi, j'étais surtout en full. Bah, la preuve qu'on s'est vu, le premier truc que je t'ai dit, c'est mon jeu lag. J'étais en full mon jeu lag. Je suis descendu en bas. Je sais pas où est le corps de DFG, mais moi, je suis parti en bas vers la droite. Et dès que les lumières se sont allumées, je suis remonté instant. Et c'est là où j'ai recroisé Ultia et toi, où j'ai dit oh, gne, ça lag. On était à gauche, on était à gauche de communication, donc t'es pas passé à droite. Non mais en bas, quand je suis descendu, je suis allé à droite de communication. Tu peux pas ne pas l'avoir vu. Moi j'étais avec eux. Mais les lumières sont éteintes, mec. Ça serait lui, hein. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Dans tous les cas, en fait, j'avais un problème technique, du coup, je leur parlais de mon problème technique, du coup, je vois pas pourquoi ça aurait été l'un d'eux, quoi. Bah oui, je comprends pas. Je comprends pas non plus, Rive. Bah en vrai, non, c'est juste que je t'ai vu revenir d'une zone où il y a un corps, donc je me permets d'avoir un doute, quoi, tu vois, c'est pour ça. Et ah, le truc, c'est que moi, il était où le corps? Il était devant O2, il était pile devant O2. Je ne suis pas allé à O2, je ne suis pas allé vers là. Il est à l'extérieur de O2. Et je ne suis pas allé là, mec, genre vraiment. Dans ce cas-là, je pense pas, arrive. Après, peut-être que oui, mais. Dans tous les cas, c'est Xary. Je pense vraiment que c'est Xary, donc. Xary, c'est ce que t'as vu au cam, Jean Castex, c'est ça? Oui. Oui. Et je l'ai suivi. Voilà, pardon, je plus l'habitude de jouer. voilà, ça allait très vite. Bravo. Ok, bah, voilà. Let's go. Désolé, Xary. Bien joué, Xary, hein, belle game. Ça fait plaisir en tout cas. Let's go, quoi. Après, t'es injouable, hein, ce niveau-là. Live et on se live. Attends, la map. Tu es une très jolie fleur. Oh. Ça va être très chaud, hein, les fleurs tout seul, ça va être très compliqué. Hein. Merci beaucoup Lanneco pour le deuxième mois, Otario pour le deuxième mois. Bon Charlie pour le bon Chartley, pardon, pour les 500 bits. Merci Baku pour le subgift, Louis pour le deuxième mois et Siaz aussi, merci beaucoup pour le troisième mois. Merci à vous. Ça va être chaud. Hein. J'entends des gens. Allô? Oui. Ah. Désolé. J'étais le shérif. Beau travail, shérif. Bon, bah, j'étais le shérif et j'ai eu tes ponces. Ouais. Beau travail. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'était une énorme game. Allô? Non, c'était ponce. J'ai tué ponce. Je me suis dit, je vais tuer ponce pour voir. Et pourquoi j'entends, personne? Très, très beau. Allô? Voilà, le speedrun shérif, là. C'est allé très vite, hein, pour le coup. C'est trop chelou, j'entends des gens mais pas tout le monde, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ah bon oui, c'est normal, bizarre, quand t'es pas revenu dans le lobby, que t'es encore dans les couloirs. Ouais, refresh en calling, Ponce. C'est la game de... Du coup. C'était la game de chauffe, ouais. Antoine qui masterclass, voilà. En tout cas, bien joué. Il trouve le premier, il tue Ponce derrière, c'est... bon voilà. Il a fait un game propre, net, précis. Il a été très bon. Et comment tu savais que c'était... Ah mais on peut pas parler, ok. Oh allez, ciao. Ok, on enchaîne directement. Ok. Et on enchaîne. J'étais pour voir, je me suis dit. Ok. C'est marqué quand t'es shérif. Encore une fois, mais putain, mais laissez-moi tranquille. Ok. Merci Sias pour le troisième mois et merci Ophi pour le quatrième. Mais laissez-moi tranquille, bordel. Ah oui, les imposteurs entendent les morts. Oui, oui, mais c'était déjà le cas. Oula. Oh, oh, mais ça a pas été, mes alertes. Oh, madre mia. Oh non, mais j'ai même pas encore vu. En fait, j'ai même pas vu le cadavre. Encore. En fait, j'ai eu le. En arrivant à Electrical, vraiment. Enfin, pas. Il a passé le une bonne couloir soirée, depuis l'extérieur jusqu'à celui qui mène à Electrical. Le cadavre est dans ce coin-là. J'ai juste eu le bouton report et j'ai pas vu qui c'était. Bon, c'est Étoile qui passe de très grosses games ce soir, hein, bien sûr. un grand classique. Une et elle a duré une 2 minutes. Wow, trop bizarre. Moi j'étais Étoile, en fait je partais à droite avec Étoile vers Labo. Et en fait au moment de la lumière s'est coupée, on s'est perdu de vue. Et il est retourné à gauche. Rive était à droite, j'ai entendu. Moi je suis allé à droite en fait. Après, moi j'ai continué à droite et bah je sais pas où Étoile était parti parce que je sais pas où il était. Mais du coup, il est... tu penses qu'il est mort où exactement, genre? Tu vois l'entrée du couloir d'électrical depuis l'extérieur? Ouais, bien sûr. Bah c'est là que j'ai eu le bouton report. Et c'est exactement là où je suis et j'ai pas le bouton report. C'est là où je t'ai vu arriver là à ce moment-là, Ponce. Je sais pas si tu y étais ou pas. Mais... Bah écoutez, mais moi j'avais pas de bouton report. Hein. J'ai remis l'électricité, il y a un petit groupe de 2-3 personnes qui est arrivé vers moi.
Et du coup, je sais pas si c'est passé pas pendant ce temps-là. Moi, je pense pas. Un petit hasard. Je dis, oh l'enfer. J'étais au labo, donc j'ai rien vu, mais j'aime bien voter, donc. Mais t'as voté qui, Xari? Ah, ça je peux pas le dire. Non, mais moi j'étais électrique, ah, mais je suis jamais sorti de. J'ai remis l'électricité. Oui, c'est un même endroit, du coup on, on a commencé à ressortir. Quoi. Non, mec. On a commencé à ressortir d'électricole. De ce que dit Antoine, il est mort à l'extérieur pour aller devant la porte. Ah, pour à aller... l'extérieur ouais, non, à l'extérieur. C'est qui en gros? C'est DFG, Gigi, Bagheera, Ultia. Non, c'est pas nous, c'est impossible. Non, vous êtes à On est dedans. On est ensemble dedans et c'est okay. Le timing est trop serré, donc c'est soit Jean Cast qui fait une dinguerie, c'est peut-être du Rivenzy. Mais après moi si je peux préciser qu'en vrai je suis passé là où Jean Castex dit qu'il est le corps et je n'ai pas eu de bouton report. Alors juste un truc par contre quand même que je peux dire, c'est que j'étais au Vitals et ça reporte instantanément quoi. Ça... Ah ça allait très vite, ça a kill report. Mort et reporte dans la ah. Dans la ah. Bah ça c'est pas en groupe. Du coup ça... info, le Xav. Non parce ok que si ok là-dessus clutch, là-dessus clutch. J'en sais rien du tout mais ça rejoint un peu ce que je dis. Vous étiez en groupe donc je pensais même pas que c'était utile de le dire. Et du coup, c'est forcément donc, entre guillemets, sinon, moi ça m'innocente dans le sens où si en fait, parce que moi j'étais avec. C'est Rive, c'est électricole de toute façon, Rive, non? Bah, coup, oui, c'est électricole. En vrai, Jean, c'est chelou du coup. Je skip, mais c'est. Non, est-ce qu'il y a un monde où Étoile et Shérif étaient le début, ils slice un mec, ils se tuent quoi. Il y a un monde. Il y a un monde parallèle. Il y a un monde où c'est un bouffe et il meurt comme ça. Merci Gotagi pour le prime. Merci Mister Krichter aussi pour le prime, bienvenue. Merci à vous. Là tout le monde est à office? Alors, allô? Vous êtes resté à office? Bah, pourquoi je vois tout le monde à office? Allô? Allô? Les lumières! Vraiment, c'est incroyable. Ah, oh, les lumières! Les lumières! Les lumières! Tout le monde! Les lumières! Merci pour les travaux! What? Et ensuite, le son du jour, on l'entendait pas. Tatatin. Bonsoir. Bonsoir, le Xav. Comment il va, celui-ci? Ça va. Ça va, tranquillement, ouais. Ah, j'arrive. Ah. On a pas trouvé le corps de Rivenzy du coup. Okay. Ouais, tu as été charbonné là. Non, c'est encore moi qui reporte, hein, je sais. Ouais. Mais où Ultia et Domingo peuvent confirmer que j'étais bien en bas aux bouteilles d'eau 2. Et en fait, quand je suis remonté au moment où les lumières sont éteintes, je suis rentré dans la salle de l'arbre. Et là, je suis tombé sur le cadavre de Xari. Voilà. De l'arbre? Ah, moi j'y étais il y a. Moi je suis parti direct au light. Si, je suis parti refaire les lights, mais je voulais passer par là pour voir si d'accord. Y avait pas quelque. Moi j'étais à l'arbre il y a genre 10-15 secondes et j'ai vu Xari rentrer dans light, dans arbre, pardon. Et il y avait. Il y avait absolument que moi et je suis parti par. J'allais partir par le bas, les lumières se sont éteintes et j'allais remonter. Ça dit quoi, Gigi Bagheera DF? Parce que. Ouais, ouais, en fait, au tout début de la game. Ça dit que j'ai vu PA descendre à O2, moi. Ah non, mais je suis avec Jean et Ultia, moi. Ouais, attends, bah justement, parce que en fait, au tout début de la game, je suis parti à droite et j'étais avec Rivenzy. L'électricité s'est coupée et on se suivait. Je monte électricole pour mettre l'électricité. Il n'est plus là, Rivenzy. Il y a Jean Castex qui arrive. Je dis, oh, bah j'étais avec Rivenzy et puis il y a un peu de monde qui arrive. Et je me suis dit, à mon avis, c'est trop bizarre. Rivenzy a disparu, je pense qu'il est mort. Et je suis reparti seul vers la droite et j'ai croisé, je crois, c'était PA, Xari, enfin, genre un peu de monde. Mais en tout cas, Jean Castex, le groupe qui est venu avec l'école, il y avait Jean Castex, DFG, tout ça. Ouais, je suis reparti à droite seul. Antoine, ouais. Quand je te racontais ma live déjà. Non, bah, il y avait Xari qui est descendu à ce moment-là, il y avait Xari qui était là, et je sais plus qui c'est qui avait. Putain, je sais plus, je crois que c'est PA que j'ai croisé. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec. Quand à droite? Quand j'ai remis l'électricité, la première fois que ça a été coupé, c'était moi qui ai remis l'électricité. Vous êtes. Enfin, toi, je sais pas, mais en tout cas, Jean Castex est arrivé, DFG, vous êtes arrivé à l'électricole quand moi je sortais. Non, et j'ai dit, oh, mais il y avait Rivenzy avec moi, il n'est plus là. Je suis parti à droite, je me suis dit 100%, il a été tué. Bon, la preuve, on est. C'est parti où à droite ensuite?
Bah, je suis remonté, tu sais, là où il y a l'électricité à droite, je suis descendu et je, là où je l'avais laissé théoriquement quand la lumière s'est coupée, mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé son cadavre. Non, je sais pas, il reste 40 secondes. Moi, ce qui s'est passé avec. J'étais avec Ultia, Xari au tout début, on a fait astéroïde, ensuite on est remonté. Ultia, toi, t'es parti de l'autre côté, donc tu nous as laissé. On est arrivé avec Xari, donc électricole. Et ensuite, moi, je suis redescendu et c'est là où j'ai vu Jean, Ultia et tout. Le truc qui est louche, c'est le côté Ponce ou Jean, parce que au moment où on s'est barré de O2, moi, je suis allé faire les lights et Jean, deux secondes après, arrive. Ça serait bizarre. Mais Antoine, il était avec nous à O2. Je pense que je reporte instantanément. Soit il a instant kill, soit c'est. Mais attendez, vous. Après, je vais skip. Ouais, sinon, c'est ça, ouais. Moi, je vais skip, mais je pense que c'est Ponce. Hein? Bah, mec, ça fait deux fois que c'est toi qui reportes le corps, mec. Genre, je vois pas en quoi. J'ai j'étais full avec Ultia. Ça sera peut-être une troisième fois. D'accord, ok, bah excuse-moi, alors je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Il vient de dire, il était. Il a disparu bizarrement à côté de moi. Il était à côté de moi et il rivait. Tu vois, là, je suis EPA, s'il me massacre. Bonsoir. Mec, je suis là. Ah putain, c'est réconcentrant. Ouais. Oh là là, oh là là. Je vais les tuer, c'est le bon endroit. Oh merde, on s'en prend. Oh non. Oh PA, non. Je voterai contre toi tout à l'heure, du coup. Ah non, PA, je voterai donc contre toi. Un peu louche, peut-être. Oui, bah. Hey, il s'est cassé. Allô? Et Domingo aussi un petit peu, mais je sais pas si je joue dessus. Tiens, il est là, Ponce. Je suis là. Ça va, frérot? Ça va, tranquillement, j'étais au cam. Attends, pourquoi j'ai entendu parler PA là? De quoi, Bagheera? What? Et moi, depuis avant, je suis certain que c'est toi, hein, parce que les deux timings, c'était logique que ce soit toi. Et où est le corps? Où est le corps, DFG? Bon, là, moi, j'arrive au light là. Moi, je suis au light. Je suis au light avec PA. Je suis au light aussi, je suis avec vous. Bagheera, t'es où là? Je suis à Spécimen, je suis en train de remonter en haut à lab. Ok. T'es pas à gauche? Dans les toilettes? Oui, c'est ça. Je suis remonté, maintenant, je suis dans les toilettes. Attends, le corps est où? Ultia est morte juste au-dessus de nous. Et t'es où? Dans le laboratoire, en plein milieu du labo. Ah! Et t'as qui? Mais qui est là en fait? Mais attends, mais qui est là-bas? Et du coup avec, bah, j'ai vu Bagheera passer sur moi. Je suis sûr que sur ce kill, c'est ni Jiraya ni Ponce sur ce kill. Ah bah oui, à part s'il a été fait il y a très longtemps, mais moi je suis resté. Non, c'est là à l'instant, là, il y a une seconde. D'accord. Et du coup, il y avait qui là-bas? Il y avait Bagheera et DFG? Domingo, t'étais où? Pas vraiment, pas. Moi j'arrivais au light. Il était juste à côté de nous. Mais ouais, mais personne peut prouver que t'arrives au light, Domingo. Bah si, Ponce a dit. Si, il était juste à côté de nous. En tout cas, j'ai vu le orange. Oui, on l'a entendu. On l'a entendu et tout parler. Mais à la fin, je sais pas pourquoi, mais on l'a entendu. Parce que je le voyais pas. Et tu m'as même entendu, Jean Castex, dire bah, pourquoi on entend PA? Ah, je me souviens plus. C'est le premier truc que j'ai dit quand ça arrive. Du coup, le kid est pile labo et Bagheera, toi tu dis que t'es genre côté spécimen. Ouais, moi je remonte de spécimen, je suis pas encore monté dans le labo et c'est pas moi. DFG m'a vu, je pense, sortir de spécimen, aller aux toilettes. Et du coup. Pour moi, c'est pas Bagheera. Et DF, le self kill. Qu'est-ce qu'il y a du coup autre? Il y avait que nous deux avant. Non, mais il y avait Ulti avec nous et quelqu'un est venu dans le noir. Mais alors, si vous êtes. En fait, vous pouvez pas être trois à vous save, c'est impossible. Si. Tu parles de nous au light? On est resté à gauche. Ah bah. Ouais. Ponce, il est resté longtemps en caméra. Jiraya et moi, on s'est retrouvé coincé. Et pourquoi est-ce qu'on a pas de light depuis genre 10 secondes alors? Et il y avait Domingo qui était côté gauche au tout début et sur la fin, on l'a perdu. Mais j'avoue, le plus suspect pour moi sur ce truc, c'est soit DFG, soit Bagheera. Ouais. Ok. Bon, dans Jiraya, Jean et Ponce, il y en a un qui est en train de se faire mind vénère. Ah non, mais mec, on était tous ensemble. C'est pas une blague. On était vraiment tous ensemble. Sur ce kill là, c'est pas. On a ouvert les portes. Si tu affirmes que le kill vient d'être fait, c'est peut pas être Jean Castex. C'est vraiment un jeu de Ponce. Impossible. Okay, c'est qui DF du coup le deuxième? C'est bien ce qu'il a dit. Attends, t'as voté qui DFG? Je vote PA. Mais pourquoi c'est ça? Attends, je comprends rien du coup. Non, mais c'est DFG Bagheera. Non, c'est soit DFG Bagheera. Mais DF avec son niveau, c'est. Bah, je vote Bagheera du coup. Mais non, mais. Je vote Bagheera, mais je sais pas. Non, mais je pense vraiment que c'est pas Bagheera. Mais alors, après, j'ai pas les lettres, mais. C'est pas moi! Je pense vraiment que c'est pas toi. Mais putain, j'en sais rien. DFG qui fait une dinguerie, je pense. Vous avez vu comme je joue mal les fleurs, c'est ouf. Hein. 100% c'est DFG. Les lights. Mais DF, c'est trop bizarre qu'il a pas pu self. Ouais, on va se faire slide, c'est terminé là, on le sait là. On sait que c'est la fin. Les lights. Some lights.
Ah, vous avez pas appuyé. De quoi? Oh non. T'es là toi, hein. Ouais. Ouais. Bah, on est là, mec, hein. On tue, hein. T'es trollé, vous avez trollé. T'es un sacré joueur, toi, mon pote. T'es un sacré joueur. Ouais, bah hein. Écoutez, ouais, ouais, ouais. Hein. Par contre, bon, je comprends même pas comment il a pu survivre, gros. Hein. Mec, c'est free win. En fait, le lobby est trop simple, en fait. Cadeau, en fait. Il est cadeau, c'est l'auto. Parce qu'Antoine, il l'avait tellement. Genre, mec, j'ai gagné le Twitch rival Among Us, donc c'est facile. Ah ouais. C'est facile. Honnêtement, c'est normal. J'aurais dû rester sur mon idée que c'était pas en fait. Oui, le problème, c'est que j'avais aucune preuve de ça. J'avais aucune preuve de ça. Il n'y a pas de preuve de ça, il faut. Preuve de ça. C'était qui était le shérif? Ah, j'ai fait un seul kill, et le kill je l'ai fait devant. On est d'accord, t'as fait qu'un kill, ouais. Non mais j'ai fait le kill, gros. Genre, en fait, genre depuis tout à l'heure, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, oh bah vas-y, je vais kill. Je kill, il y a DFG juste après. Et je sais pas comment. Je pense que j'ai continué à parler une fois qu'il y avait le report. Tu m'as entendu? Ah mais putain, ça nous a brain parce que. Mais ouais, le problème c'est que vraiment, Léa, on l'a entendu avec Tricol. Et Ponce, il a dit. Oui, en plus j'ai vu du orange. J'ai dit, bon. Ouais, ouais, moi je suis juste à côté de vous, les gars. J'aurais pas pu aller à droite. Le fait que tu l'as vu, que le meurtre venait d'avoir lieu. C'était ça en fait qui m'a. Non, mais c'était sûr que c'était pas elle, mais vous m'avez pas trust. Bah ouais, parce que c'est. Mais pourquoi c'était soit Domingo et Ponce, soit toi et Bagheera en fait, DFG. Non, ça ouais, pouvait très bien ouais. Être Ponce et Bagheera, non, non. Par exemple. Pas. Non, non, mais enfin, non, ça pouvait pas être Bagheera. Soit, mais comment t'as grillé que c'était moi, toi, par contre? Comment tu t'es retourné le truc sur. Moi, c'est comme t'as directement positionné. Moi, T1, premier meeting, j'ai call Ponce PA, mais. C'est vrai. Et moi, en fait, j'ai full mytho, hein, j'ai dit. J'ai rien fait de suspect en plus. Bah, ça peut être que ça, quoi. Ouais, moi j'ai dit j'ai vu du orange, mais j'avais absolument pas vu d'orange. Et j'ai dit j'ai entendu PA et en vrai. Je suis navré. J'avoue, putain, un plomb. Vous voulez rematch? T'as craqué. Je m'excuse. Bah ouais, moi je suis chaud, game. Ouais, bah go. Ponce, t'as été très chaud. J'ai eu peur sur le truc O2 où tu te crames à moitié. Ouais, enfin, ouais. Final, il était très très bonbon. Putain, enfin qu'on mette. Est-ce que je peux jouer au jeu? Vas-y, Étoile, je te tue pas de suite, mec. Tu n'as pas le droit à bonheur. Je te tue pas instant, gros, en vrai. Mais en vrai, je te tue pas maintenant. Je te tue pas maintenant, vas-y. C'est quoi, Étoile? Je reste avec toi, mec. Je reste avec toi. Vas-y, reste avec moi. Mais tue-moi, mec, pour le best-of, pour le best-of. Non, bah. Non, mais je reste avec toi. Et toi, la soirée, c'est que tu t'amuses pas, hein, je te le dis tout de suite. Je vais te fumer, Étoile. Je vais te fumer, toi. Je vais te bouffer, s'il te plaît. Si vous êtes vous deux tueurs, par contre, vous êtes des génies, les gars. Oh les lights. Étoile. Ok. Ok, top. Top. Hop là. Et merci beaucoup, merci Kailistra pour le 4e mois, Sawako pour les 100 bits, Mebra pour le prime, Shukan, merci pour le 3e mois, Bonomig. Sympa! Bonomig, merci pour le 5e mois, Derden, merci pour le prime, Place for my head, merci pour le 2e mois, Captain, merci beaucoup pour le 5e mois, Shui, merci pour les 100 bits, Ekatenix, merci pour le 12e mois d'abonnement, Ozakar, merci beaucoup pour le subgift, Meliaris, merci pour les 100 bits, Benzo Benz, merci pour le 4e mois, The Scott Basilic, merci beaucoup pour le 2e mois, et Nazeo, merci aussi pour le prime. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci Taco aussi pour le 5e mois, et Darkus pour les 100 bits. Merci beaucoup. Je m'excuse de t'avoir dit de te taire à l'eau de Ponce, je dois admettre que tu es juste un craquito. Non mais en fait, il faut bien comprendre un truc. Genre, je vous jure, et là je parle à vous, les fleurs, vraiment, arrêtez, vraiment, quand vous êtes sur des chats de gens qui jouent à Among Us, arrêtez de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Déjà, bon, on en parle après. Alors, donc je suis astéroïde. Et le corps de Ponce était étendu. Il était froid, le corps était froid, il me semble que. Il était très froid, vous m'entendez pas, mais il était très froid, oui. Donc voilà, il est mort. Astéroïde. Je vous ai vu partir au moment des lights avec Étoile depuis admin. Vous êtes séparés ensuite? Bah ouais, alors, moi je suis tout seul derrière le bonhomme de neige à côté de la vente. Moi j'ai perdu Étoile en fait. DFG J'ai perdu Étoile à ce moment-là. Et DFG en fait, j'étais même avec toi, Antoine, au moment des lights. C'est pour ça que je suis revenu un petit peu dans mes. Sur DFG Amine, et après, je suis allé que dans un deuxième temps sur Astéroïde. DFG voilà. Domi, t'étais où là quand on s'est quitté à l'instant? Tu sais, t'es parti, t'es passé par les portes. DFG. J'ai pas mal parlé à Gigi. Ouais, on était au niveau de l'arbre et on s'est remémoré le bon vieux temps, je n'étais plus. Ah, donc vous n'êtes pas parti vers le sud du coup? Non, vous n'auriez pas pu passer à Weapons par hasard?
Non, mais, ah, mais contre, il m'entend pas pendant les meetings, je pense. C'est les communications, enfin le truc où ça a été. Je pense qu'il m'entend pas dans les meetings, ouais. Avec Bagheera, ouais, j'ai croisé Bagheera là. Rivenzi. Ah ouais. Oui. T'aurais pas fait le kill sur Ponce et vu qu'on était tout seul, tu pouvais pas me tuer parce que t'étais en cooldown et t'es reparti au middle. Oh, j'ai mis non, parce que je suis désolé. Parce que je venais de lave. Je venais de lave, j'étais pas à droite en fait. Ah non, tu venais pas de lave parce que moi je. Si, je venais de lave. Ah si. Ok. Je descendais de lave. Je te voyais arriver vers le bas, moi. Ok. Et parce que moi, je suis arrivé par le bas en fait. Oui, complètement. Mais non, pas du tout. Mais c'est juste. Et en fait, j'aurais pas report Ponce. Puisque en fait il est astéroïde alors, et c'est plutôt un bon spot astéroïde parce que c'est un truc qui est un peu loin, etc. En vrai j'aurais pas report si j'avais pas save report. Moi ? Ouais. Je venais d'admin, comme je le disais, je quittais Jean Castex et Étoile à ce moment-là. Et t'es pas passé par En fait, le truc, c'est je pense que tu l'as tué Weapons, que t'es arrivé, on était seuls tous les deux, t'avais pas le cooldown et après t'es reparti. Mais c'est une possibilité, c'est pas sûr. Pourquoi il aurait pas le cooldown ? Le premier cooldown est très court généralement. Ok. Ouais, non, mais c'est genre ouais. Okay. Mais s'il a fait un kill, est-ce qu'il peut avoir une chance non nulle que Ponce essaie de tuer un mec et c'est. Est-ce que si quelqu'un bah, essaie c'est de tuer un mec. Visiblement, non, moi de suite. Je ne pense pas parce que Ponce n'était pas une astéroïde, il était au niveau des films, je sais pas quoi, la deux plots. Surtout, t'as tendance à vouloir report direct en mode le mec mange pas. Ouais, non, mais je suis d'accord. Genre, quand il y a un shérif qui se tue lui-même, tu le vois tomber à côté de toi du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, je le vois exploser. Ah, d'accord. J'ai pris une balle perdue. Différente de Simmer. Non, c'est la même. Non, il tombe par terre, mais j'en sens. Gars, je suis scandalisé qu'on ait pensé à moi. Je suis un peu outré parce que j'ai rêvé le. Allez, je vais direct là-bas. En fait, ce que je voulais vous dire, juste. Bon, faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que faut pas oublier que des fois. Un peu comme par exemple pendant les ponces la Switch, on s'en fout du niveau de jeu. On n'est pas là pour spécialement faire la plus belle game de notre vie afin de gagner. Parfois, juste on joue avec des potes et tu sais, on teste des trucs et voilà, et c'est pas grave. Et aussi, deuxièmement. On est sur Among Us, donc le principe c'est un peu mentir, tenter des choses et tout comme ça. Forcément il y a des moves qui sont pas ouf, mais ça peut le faire, on tente tu vois. Et on s'en fout, ça sert à rien d'être en mode t'aurais jamais dû faire ça, faut faire ça. Il n'y a pas un truc à faire, il y a ce que la personne qui joue, enfin il y a juste à faire ce que la personne veut faire, c'est tout. Du coup, évidemment qu'il y a des moves des fois qui sont pas ouf, des moves qui sont meilleurs, etc. Bien sûr, mais à côté de ça... Ça reste assez infernal pour n'importe qui. Quoi que tu fasses, qu'on te dise mais non, faut surtout pas faire ça. Oula non. Alors que, en vrai, tu joues avec tes potes pour t'amuser. Véritablement quoi. Y a pas de. Je suis pas en plein Twitch rival dans le but d'être le meilleur joueur français. Des fois, je suis juste en train de jouer avec des potes en fait. Et de vous partager ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais faire un message salé sur Twitter pour dénoncer ton niveau de jeu, l'enfer. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, des fois, c'est frustrant parce que. Il va faire une connerie. Et voilà, on s'amuse quoi. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est où encore ? Alors j'ai été avec Bagheera et PA. Que la loi soit faite. Et moi. Comment ça ? C'est qui du coup ? Ah, c'était Jiraya ? Jiraya. Vraiment, il était shérif ? Ouais, moi j'ai pas fait le shérif. C'est shérif, Bagheera ? Non mais en fait, ah mais Gigi, tu m'entends ? Horrible. Oui, je t'entends, mais genre si on prévient pas que. Ah oui, on entend les morts, gros. Bah ouais, bah moi je suis pas au courant. Du coup, je suis en mode, mais je comprends pas, j'entends pas, c'est un bug. non, c'est normal. Et même en fait, tu sais que tu peux parler au tueur. Et genre, en fait, il va entendre des petites voix qui hantent. Oh merde, il a dit ça. Et du coup, je voulais rien dire. Genre, pendant les games, tu peux parler. Non, mais on était 5, les gens étaient 5 autour de lui. Ah, c'est pour ça qu'il a dit j'entends des percussions. Après, on l'a cuisiné pendant des heures aussi, c'est normal. Il a lâché, c'est impressionnant. Attends, mais t'entends les fantômes. T'étais pas shérif, Gigi ? Bah ouais, comme ça, ils peuvent te hanter. Non, bah non, c'était un imposteur. Après, tu les entends de loin. Ah, tu t'es fait shérif Ed. Tu t'entends comme un écho, tu vois. Mais en fait, si tu veux, je t'entends un truc et j'entends des bruits. Et je dis, putain, c'est bizarre. Et puis, je t'entends parler, mais vraiment au loin, comme si t'avais utilisé un mode, tu vois. Et je dis aux gens, mais je comprends pas, je t'entends plus parler, c'est un bug ou pas. Ah, mais c'est pour ça que tu t'es fait tuer par le shérif. Et oui, du coup, bah là, ils ont dit ça, mais ça, il y a des gens qui l'entendent, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, sur la table. Après, c'est couillu de dire que c'est toi. J'ai voté pour Jiraya au round 1, donc c'est pas moi, gros. Après, le truc, c'est que si elle avait pas dit, on aurait dit pourquoi est-ce que tu l'as tué. Genre, on aurait dit t'es imposteur, du coup. Non, mais Xeric, t'as fait le. Tout le monde parle en même temps. Après, si ça se trouve. Ouais, t'as un bind pour mute, mais là, je l'ai pas. Oh la défense, elle est belle. Bah, moi, je vote Jean Castex en général parce que j'aime bien votre politique, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé si vous avez pas compris les fleurs. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Gigi, il m'entendait vu qu'il est tueur. Je me mets loin pour pas les entendre. Gigi, il m'entendait vu qu'il est tueur.
Et donc du coup il a dit bah pourquoi j'entends Ponce, c'est trop bizarre. Et sauf qu'il y avait le shérif à côté, il s'est dit bah s'il entend Ponce, c'est à dire que c'est lui le tueur. Du coup le shérif a tué Gigi en disant bah mec si t'entends Ponce c'est que c'est toi le tueur quoi. Et boum, voilà. C'est énorme ce qui s'est passé, c'est vraiment énorme. J'adore, j'adore ce jeu. Merci Sayam pour le 2e mois, merci Tozer pour le 7e mois, Little Pony merci pour le 4e mois, merci à Ice Twix pour le 2e mois, Adix pour le 8e mois, Teach Dono pour le Prime et Matt Lamelas pour le 4e mois, merci beaucoup. J'ai carré un peu du coup, ouais, après c'est juste parce que Gigi le savait pas peu cher, mais bon on le saura pour les prochaines fois, tu vois genre là c'est pas grave, faut pas que les gens du chat de Gigi disent OMG tu pues la merde, pourquoi t'as dit ça, on s'en fout, ils découvrent. 1, 2, 3, bonjour, 4. C'est bon. Ouais, je cherche DFG pour le hanter. Attends. DFG, je voulais qu'on revienne sur les origines de ma mort. Go YouTube, go YouTube. DFG. DFG, fais pas semblant de pas m'entendre. Tu m'as pris pour qui, sérieux? DFG. Tu m'entends ou pas, Gigi? Vortex. Tu vas voir, oui, tu m'as eu, oui, j'ai été faible. Faible. Oui. Ça, ça m'écœure parce que j'entends des rires en train de lâcher ses meilleures anecdotes de Radio Libre là. Et tout d'un coup, il y a eu deux morts là. Merci beaucoup à Luspay pour le Prime et merci à Kageretsu pour le 7ème mois. Merci beaucoup. De rien pour le Prime. Ah merde, putain. Excuse-moi. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est insupportable. Ouais, on s'est perdu que les 5 dernières. Merci Venusium pour l'abonnement et merci Tradius à l'instant même pour les 10 abonnements offerts. Merci beaucoup. J'étais à la bibliothèque pendant un siècle et DFG. Attendez, il faut que je setup des trucs. Alors, je t'ai pas vu la bibliothèque, mais tu as l'air d'en venir. Merci beaucoup les fleurs. Oui, mais en merci fait, le problème c'est que DFG, on est restés un peu tous les deux et ton comportement était un peu chelou. Tu voulais un peu m'attirer en dehors de la caméra, je te sentais pas à l'aise. Comportement, bah ouais. J'ai vu, demandé, je suis non, mon comportement, bah ouais. Je me dis non. Comportement. Putain, mais moi je suis dégoûté de m'être fait piéger par une info qu'on m'a pas donné. Pour la prochaine, mec. Pour la prochaine. Je serais plus jamais un imposteur ce soir. Pour la prochaine. C'était la dernière fois. Tu dis storage, entre mec, light et storage, quand tu remontes de okay. Moi, mais le shérif, rives, donc du coup, j'étais le shérif, il peut tuer et retuer plus tard ou c'est qu'une seule fois parler, non, tant qu'il a 5 secondes de cooldown, donc il a un gros cooldown, en fait. Ah oui, avec cooldown, mais tant qu'il veut. Par contre, là, on est en train de se parler entre morts et les autres, on peut pas les muter. Non, on peut pas les muter. Non. Ah, c'est insupportable. C'est trop bien. Tu peux baisser leur scrolling, si tu veux. Parce que toutes les portes étaient fermées, il y a beaucoup de portes. Non, ça m'intéresse pas. Non, flemme, en fait. C'est vrai qu'avec Rivenzy, si on joue méta, je pense que c'est un bon tueur. Donc, méta, mais, et du coup, ça devait être DFG ou Antoine quoi. Je suis remonté, j'ai vu le cadavre de Rive avec qui j'étais juste avant. En fait, c'est moi je vois que c'est DFG. C'est à quel niveau En fait, c'est devant Rive, storage. On se save quoi, c'est trop nul. Okay. Mais pourquoi ça serait pas Antoine d'ailleurs? On est 6 donc on a pas besoin de voter. Je vois Antoine aussi. En fait, je vous ai croisé dans Specimen avec Zary et ensuite je suis revenu un peu en arrière et je suis repassé par Specimen justement là, j'étais à Specimen. Oui, si j'ai de la musique les fleurs mais c'est très peu fort parce que déjà qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et tout, j'ai mis pas trop fort. L'avantage c'est que dans Baguera Jarian, il y avait forcément un. Bah, non mais ouais, mais en fait c'est horrible parce que moi j'ai vu admin les trois personnes Specimen, les versions de Antoine Concord parce que je le vois sur la fin et que du coup il aurait pas eu le temps. Mais moi ce que j'ai fait c'est qu'il y avait un mec mort en dropship. Moi j'ai voté DFG. Ah bah c'est pas moi, je vote PA du coup. Vas-y, je pense que DFG. Moi, je pense que c'est DFG. Je pense que c'est soit Étoile, soit Domingo. Je pense que Xari et Ulkia, c'est au niveau de la fermeture de porte. Ça se voit que c'est pas du moi, ça. Non, mais de toute façon, t'as la voix sereine, c'est pas toi. Voilà. Bravo. 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 T'es trop fort, t'es trop fort. Bon, bah, c'est cool, hein. Ouais, mais j'entends des voix, les gars. Bah, en gros, si j'ai pas l'info, question. C'est un peu que je suis en mode putain, bon, c'est pourquoi je l'entends parler alors qu'il est mort. Now you know. Moi j'avais pas trop le choix. C'est non parce que tu sais, il me dit en mode tranquille, en mode c'est bizarre les gars, j'ai des bugs, j'entends des voix. Le mode... pauvre. Ah, ça m'est arrivé la première fois aussi. Hein. Sorry, je dis qu'à toi, c'est genre, mais je comprends pas, j'entends Ponce là comme s'il utilisait un vocodeur. Ultra suspect. Et après, bah, je me fais chlasse, bien sûr. De suite. C'était qui le shérif du coup?
C'est bagarre. Mais est-ce qu'il faisait des percussions du coup? Des perquisitions. Je faisais pas de percus moi. Non, mais en fait, je voulais te poser une question, du coup, j'étais écoute-moi. Et là, je me fais tuer. Allez, c'est vraie histoire que tu racontes, Harry. C'était juste malade. J'ai peut-être fait du beatbox, effectivement. J'ai peut-être fait du beatbox à un moment donné, oui, c'est vrai. Oui, j'ai peut-être fait du beatbox à un moment donné. Ah, voilà, c'est de la pure percu. Excusez-moi. Je suis condamné à être croumé toute la soirée, ça me casse les couilles. Dit-il en me tuant dans le dos. Ah non. Allez, tue-moi, tue-moi. Non, non, pas du tout. La Gige, c'est vrai, je suis à jamais ton ami sur cette game, mec. Ok, bah vas-y, tu sais quoi, let's go. Hop, petite cam. Hop, ok. Des pouvoirs. Allez, on va mettre nos mains là, on va laisser traîner nos mains quelque part. Viens, on va ensemble à gauche pour être safe. Vas-y, ça marche. Et là, je suis mort. Non, non, c'est toi qui vas me tuer. Ah non, ok. Il y a du monde. Ah, ok, il y a du monde. Tu viens vers moi et on va là, ok. Vas-y, ça roule. Ouais, Gige. Je reste avec toi. C'est à cause de toi qu'on m'a niqué ma game tout à l'heure, la tête de ma mère, je reste avec toi. Vas-y. Moi je fais ça. Bah, alors écoute, bouge pas, je fais les feuilles. Vas-y. Je suis pas loin. Ok, voilà, je vais au 2, je vais au 2. Juste là. Juste là. Alors, hey, 2 pour de vrai. Vas-y. Imagine si c'est lui. Hop, là j'ai ce qui termine, normal. La petite bouteille, normal. La base. On est sur un bon timing. Après j'ai quelque chose dehors. Vas-y. Attention Ultia. Ouais. Coucou Ultia. Mais ce serait pas la douce Ultia. C'est moi la douce Ultia. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai ça. J'ai ça. Bah on a les mêmes missions. Oh, c'est incroyable, c'est suspect ça. Bon, moi je vais à storage. A plus. Bonne route, attention sur la route. Petit weapon, petit Call of Duty. Alors moi j'ai le. Oh, le petit light. Petite light? Vas-y. Petite light. Oh! C'est plus qu'une carcasse vide. Oh Jiraya? Non. C'est qui le violet? C'est qui le violet? J'ai vu quelqu'un de violet. C'est Bagheera. La tête de ma mère que c'est Bagheera. J'ai laissé. Il a dit en la tête de ma mère. Ah bah c'est Bagheera. C'est la tête de ma mère. Je suis avec Bagheera donc c'est pas possible. Non. Non, impossible. J'ai eu quelqu'un de violet. C'est violet, Sois sûr. Violet, je vote. Y'a même pas à tortiller du cul pour chier droit là. C'est vrai, Bagheera. La lumière, écoute, je vous raconte une belle histoire aujourd'hui, d'accord? Je suis resté en permanence avec Ponce. On était perso contre perso. On était en sandwich. J'ai dit, ok. À cause d'un truc que je ne savais pas, tu m'as niqué ma game tout à l'heure, je reste avec toi tout le long, j'en ai rien à foutre. Et du coup, on a tout fait, etc. Les lights s'enlèvent, et je dis, ah, on va faire les lights. Et tous les deux, et là, d'un coup, je vois une ombre violette qui le découpe, mais sans crier gare. Vas-y. Sauf que, bah, malheureusement, on était collés. Dis-leur, Gigi, dis-leur. Jusqu'au bout, Gigi. Je suis en train de remonter de weapons, tranquillement, et je vous ai pas du tout croisé. Enfin, on fait une nuit, mais je... Si. T'as dû confondre. Menteuse. Peut-être, mais en tout cas, je lève les bras actuellement, comme ça, et je vous dis juste, je viens de vous donner cette histoire. Vas-y, Gigi, dis-leur. Bah, mec, moi, j'ai voté. T'as voté qui, Domingo? Bagheera, j'ai senti... Il y a deux ans, tu disais que c'est pas possible, je suis avec Bagheera. C'était un bluff, et elle a dit Messi. C'était un bluff à chier, mais j'ai senti qu'elle a chopé cette perche. Très beau, très bien. Non, c'était à chier. Non, mais c'est semblant. Moi, c'est bon, j'ai déjà statué. T'es bon, hein. Je pense que Bagheera n'est jamais allé à Weapons, en fait. Si, mais attends, tu m'as vu entrer à Weapons. Non, justement, je t'ai vu repartir à Weapons. Tu m'as vu rentrer. Ah, c'est bon. Mais attends, DFG, là, t'as inventé n'importe quoi. Tu m'as vu rentrer à Weapons. Ah, bah, ou alors, en tout cas, dans ma vision de mec pas imposteur, je vous fais confiance. Je suis allé à Weapons, les gens, mais vraiment, non, recommencez pas. C'est bien. C'est coupable en général. C'est depuis avant vous avez refait le même coup. Vous m'avez voté parce qu'il y a une personne qui était d'ailleurs Domingo aussi avant qui a fait le coup de Hazel et qui a gagné du coup. Wow. Et vous faites exactement le même coup. Allez, on accepte son sort. La programmation neurolinguistique Bagheera, je trouve hyper agressif. Elle accepte son sort, mais elle a raison de vouloir en découdre. Ah oui, bien sûr. Après, on aurait pu attendre, mais je vous ai donné mon histoire. J'ai raconté une belle histoire. Visage choqué. Personne ne m'entend, c'est énorme. Sa défense. Je vais aller faire spécimen round. Merci Margot Guy pour le 2e mois d'abonnement. Merci Dalekan pour le 4e mois. Et merci T-Bone Saucisse pour les 100 bits. Merci beaucoup. Putain, je suis ultra content que ça soit pas Gigi qui soit fait sortir. Je me serais senti trop mal en vrai. Moi, je suis chaud pour hanter les tueurs.
Mais je pense que c'est important que je fasse mes quêtes assez vite. Tu m'entends, Ultia, ou pas? Valu, non, tu me tues pas. Ah. Non. Tu m'entends ou pas, Jean Castex, toi? Je veux au télescope. Tu m'entends ou pas? Voilà. Tu m'entends? Petit fil. Tu m'entends, Ultia, ou pas? Si tu m'entends, dis LOL, MDR. Je suis là. Ok. J'ai rien à faire à spécimen, du coup, je vais pas y aller. Si quelqu'un m'entend ici, quelqu'un dit LOL, MDR. Moi, je vais aller. Ah, je vais aller à Dropship, il faut finir le truc que j'ai commencé au début, là. Ok. Je pense qu'ils m'entendent pas. je pense qu'ils m'entendent juste pas, en fait. Mais je tente de savoir qui est le deuxième, en fait. Normal. Oh, c'est qui, blanc? C'était qui, blanc? C'est DFG, blanc. Bien joué. Le kill, là, est bien. Les kill storage sont pas mal, en vrai. Pourquoi tu reportes pas le cadavre? Parce que je suis mort. Moi, je suis mort, hein. Je joue pas, là. Enfin, je joue pas. Si, je joue, mais... Étoile, il est où? Étoile, étoile, si tu m'entends, tape deux fois sur ta table. Deux petits coups sur la table, si tu m'entends. Étoile, je suis désolé, mais tu vas gérer. Ah, donc c'est vraiment étoile. Étoile, étoile des mers, pays merveilleux. Oh, kill directement. Oh là là, dangereux ça. Je vais quand même aller voir. C'est étoile, du coup. C'est quoi la chanson? C'est étoile des mers, pays merveilleux? Non, c'est pas ça. C'était pas ça? Ça dégoûte. Je sais plus. C'est un des meilleurs enquêteurs. Étoile des neiges, putain. Voilà, je sais pas. Est-ce que t'as des petites infos pour nous là-dessus, Pierrix? Excusez-moi. Ultia? Oui? Tu régales. Merci, Sophie. Pour le deuxième mois. Merci. Eh ben, moi j'étais. En fait, j'ai fait toutes mes tâches. Je vais me chercher de l'eau, j'arrive. À scanner, machin, truc. Après, j'ai terminé par fusée. Ouais. Ensuite, je suis allée à storage pour. Bah, storage. Et en fait, j'ai parlé au cam. Et du coup, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait sous les cam. Et il y avait Antoine. Je confirme, effectivement, j'étais avec elle à lab au début et elle a fait ses tâches à lab. En tout cas, elle m'a pas tué, on était tous les deux tout seuls. Moi, j'avoue que j'ai quasiment pas fait mes tasks parce que j'essaye depuis tout à l'heure de capter ce qui se passe admin. Et j'arrive pas trop à comprendre. Et t'as pas capté qu'il y avait quelqu'un qui était à storage mort? Bah, j'y suis pas allé. Ça, j'ai pas vu. J'en viens de storage. J'ai réparé. Bah, à l'instant, comment ça t'en vient? Bah, c'est mon choix. Ah ouais, je suis vraiment passé par storage en vrai. Bah, il est storage. Moi, je suis allé admin. Je pense c'est très récent, du coup. Ultia, hein. Bonsoir. Ah non, je me serais pas mis dans la gueule du loup en plus, mais. Je viens vraiment d'aller à storage. Les lights, ça, je comprends pas. Ah non, j'arrive pas, j'y vais tout le temps. Bah, je l'ai fait deux fois. Je suis admin. Moi, j'étais admin, donc je suis resté. J'étais en mode, je suis trop loin, je vais pas remonter faire les lights, quoi. Je finissais mes quêtes. Et t'es allé où? Je crois que j'ai nimp. Je crois que j'étais pas à storage. Je suis admin, et là, j'ai fait ma carte, et là, j'étais au niveau de lave. Oh, la petite baie. Ouais, je sais, Sagacite, pour le livre de GastronoGeek. T'inquiète, je sais. Je sais plus. En gros, je sais plus si j'étais à storage ou si j'étais en train de remplir l'huile de storage dans les bidons, tu sais, au-dessus, à gauche et à droite du spawn. Je sais plus trop. Vous êtes où là? Enfin, juste donner un peu les infos. Storage, le kill est à storage. Je reviens des cams. C'est quel kill que t'as trouvé? C'est DFG. C'est DFG, ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler d'un truc? Est-ce que tu peux venir Vitals ou pas? Non, j'ai jamais été à Vitals. Non, j'ai jamais été chez Vitals. Regardez les Vitals. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai vu deux bonhommes à storage pendant longtemps. Donc, si c'était Ultia. Mais non, elle se serait pas cramée comme ça, bon. Non, je pense vraiment pas que ce soit Ultia. Après, l'essence, ouais, ça brûle, donc elle pourrait se cramer vite comme ça. Ouais, en fait, moi, j'aimerais poser une question à Jean Castex, parce que d'après ce que tu viens de donner comme info, t'es le dernier qui est au cam et tout ça. Et Xari, moi, je l'ai croisé à gauche, et à mon avis, il est mort à gauche. C'est genre la dernière fois que je l'ai croisé. Xari, je l'ai vu faire au deux. Merci beaucoup. Merde, je suis pas mute. À la caméra. Merci beaucoup, un steak frites pour le troisième mois, et merci Zazu pour le prime. Merci à vous. Et Domingo, pourquoi tu m'as accusé en premier? Non, mais une game, il y en a pas une idée. Je me suis dit, je vais commencer avec quelqu'un. Quoi? Deux voitures? Attention, c'est pas lui. En vrai, je pense pas que ça soit lui. Est-ce que ça voudrait dire qu'il reste des arrières? Putain, vous avez vu, je peux baisser le son comme ça et vous le remettre? C'est Bagheera, mais c'était pas sûr à 600%. Pour moi, c'était presque sûr. Ah non, en gros, bah alors vraiment, j'ai passé toutes mes games avec tout le monde là, je suis vraiment. Énorme. Et je remets le son et je coupe le son. Bon, je vais faire ça vite. Merde. Je vais juste faire ça, hop.
Hop là. Comment t'as fait avec Mago XLR? Mais je viens de capter ça là, j'ai... C'est propre hein, avec en gros mon, ma carte son. Trop propre. Et je remets le son. Et je coupe le son. Allô? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Antoine? Putain, mais du coup, je suis pas avec eux, ils vont dire oh, c'est Antoine. Ouais, c'est Antoine. Antoine. Ça me dégoûte. Antoine. C'est Antoine. C'est Antoine. 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 Ça me dégoûte. T'as quoi comme matos? La Go XLR, j'ai. Une Go XLR, ça sert de, à faire carte son, ça sert à faire rack d'effet, ça sert à faire compresseur, ça fait plein de trucs. C'est pour ça. Il est où Étoile? Il y a toujours pas de mort. C'est moi l'imposteur ou quoi? Non, ça c'est un bail. Il est où Étoile? Étoile? Ah, il est là le tueur Étoile. Ah, c'est au même endroit, ok, je trouvais pas. J'étais au mode de feu. Ça sert à quoi le côté carte son? Mais en fait, on peut pas relier un micro XLR à une à un ordinateur sans carte son en gros. Oh non, c'est pas Étoile. Si. Oh, Loki directement d'Étoile, très bien fait. La 20 peut-être qui va suivre la 20 directement, qui est prise par Étoile, qui va partir vers le bas probablement. Je n'en ai oh non, ici. On l'a vu sortir Étoile juste ici. On est seul. Storage. Bien vu de sa part. Yo, Ult. T'étais où? Ah, oui, coucou. T'étais où? J'étais là, je repassais par admin. Salo! DFG, tu m'entends? Oui. Pourquoi je vais plus vite que toi, mec? Warpex! Bah, regarde. Ah! Oui, let's go! Ok. Bah, regarde, viens, on part de là. Genre là. Ouais. Et à 3, on va vers le labo. Ok. 1, 2, 3. Bon, là, je suis parti avant toi. Là, je suis parti avant toi, mais. Ah, tu t'es TP. Non, mais chez moi, je suis allé plus loin que toi. Hein. C'était. Ah, c'était je pense que c'est un bug, ouais. Ah non, ouais, non. C'est où là? What? Alors, merde. Déjà, d'une première chose. Tu m'as vu vent. On va voir comment ça se passe. Tu m'as pas vu vent. Tu m'as vu sur une vent, Antoine. On est d'accord? Oui, et ça m'a fait bader. Oui, mais en fait, je rigolais, je suis en mode. Peut-être je voulais mettre sur la vente en mode. Imagine quelqu'un me voit là sur la vente, il va penser ça, et du coup, c'est très cool. Pourquoi tu ferais ça en fait? Parce que j'ai fini mes tâches, j'avais rien à foutre, j'étais en mode, bon, moi je fais quoi? Qui est le deuxième tueur, les gars? Voilà. Alors, ah, c'est Étoile. Contre, où est-ce que tu es? C'est qui le deuxième? C'était Bagheera qui m'a tué. Je suis admin et j'ai pas bien casté. T'as dit, gros, il a bien joué parce que pendant tout le premier round, il a resté avec moi, il a rien fait. Alors que j'étais dehors, j'ai entendu ta voix, c'est inaudible. Ah bah non, mais j'étais pas en bas, je suis remonté. Ah ok, alors... Moi par contre, j'ai des doutes de fou sur Rivenzy depuis oui, deux tours. Oui, parce que du coup c'est normal. Alors, PA ne parle donc pas depuis tout à l'heure parce qu'il sait ce qui s'est... Alors, ouais, c'était PA ne parle pas je sais pas ce qui s'est passé là. Si, tu sais exactement ce qui s'est passé. On s'est croisé à la sortie de labo. Ouais. Moi je rentrais dans le labo, toi tu en sortais. Et en rentrant dans le labo, je trouve le corps... Je sais pas qui je reporte, je reporte Bagheera ou... Comment il bégaye? Et je te jure que c'est ça. Et je croise PA et il sort et moi je rentre et je vois le corps et je reporte le corps instantanément. Parce qu'il était dans le labo le corps. Alors moi je venais de Vitals et Vitals j'ai vu deux kills et du coup je suis direct allé remonter justement sismique pour savoir s'il n'y avait pas un kill de quelqu'un, genre un cadavre, et je t'ai vu remonter et je me suis dit que t'étais à peu près safe parce que t'étais en train de dire ah bah on peut même pas enquêter en rigolant. Ouais. Mais dans le couloir moi j'avais rien. Donc, en fait, oui, mais du coup, t'es la seule personne à cet endroit-là, puisque si Jean et Étoile sont tous les deux à admin en bas, y'a que toi qui es là. Mais ça peut pas être PA, mec. Il est trop safe sur l'école d'avant, je le vois tout le temps. Parce que, mec, ça peut pas être PA. Et c'est où exactement? Alors, mais si, mais c'est dans le labo, c'est là d'où tu viens, mec. Mais où dans le labo? C'est au fond de labo. Ah bah, je suis pas allé au fond de labo. Bah, après, je sais pas, mec, mais je te vois sortir labo et Antoine. Non, non, mais y'a une différence entre être allé Vitals. C'est rire. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je pense que c'est RIP 100% parce que non, arrêtez, merde. Après, vous êtes en train de pourquoi attends, tu mais vraiment pas sur en même temps, il a un ton très déconnecté qui me. Mais non, mais c'est pas moi. Sinon, je vois le corps. Il y a personne autour de moi. Pourquoi je l'aurais report si c'était moi? Pourquoi j'aurais self report? Ça sert à rien. Je sais qu'Antoine avait des doutes sur moi. J'skip, moi.
Ah, moi je vote option. On rediscute. Non. Ah oui. Bon bah, il fallait prendre une décision. C'est Jean du coup. C'est Jean. Non, c'est atroce. C'est qui? Non. Putain, c'est Jean. Bon après après Rive c'était dur hein. Mais j'ai ruiné la game. T'es un peu ruiné sur la défense mais c'était dur en vrai. C'est pas grave. Le fait de vent, j'étais sur une vent, j'étais con, j'étais en mode hey, imagine quelqu'un me voit sur une vent. Ouais, même sur la défense tu t'es mis à rigoler en faisant alors, je suis suspect. Du coup c'était mais c'est dur. OK, très bien. J'ai remis les lumières. Non mais là on s'en fout, fallait buzzer, vous êtes tous barrés les deux là. J'ai remis les lumières. En vrai, la PAB devrait avoir l'info. Oui. En tant qu'investisseur, j'avais aucun intérêt à buzz. Oui. J'avais aucun intérêt à remettre les lumières, c'est toi. Les lumières, on s'en fout à ce moment-là. C'était soit le buzz. Mais soit non, coup, mais non, si les lumières étaient éteintes, tu n'aurais pas pu buzz en fait. Étoile, c'est Jean, on est d'accord? Non, c'est étoile. Non, c'est étoile, il y a eu trop de petites. Je te save depuis C'est toi, Domingo, tu mérites la victoire. Justement, si tu mérites la victoire, dis de voter contre étoile. Bon bah pourquoi Jean t'es allé aux lumières du coup. Prends ça. Sinon tu n'aurais pas pu buzz en fait. Mais non, tu peux quand même buzzer. C'est que les lumières. Non, tu peux pas buzzer, c'est les lumières. Pourquoi il l'accuse pas? D'accord, ok, excuse-moi. Non mais est-ce qu'on peut juste parler de manière claire? Il peut devenir le joueur de sang qui est dans la merde. Parce que moi je te save depuis le début, PA. Aïe, aïe, aïe. Le problème c'est que si c'est pas Rivenzi, il leur retourne le cerveau. C'est Antoine. Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il répare les lights pour se save de ta part. Non, mais Rivenzi, déjà, je le sentais en moyen. Parce qu'il est arrivé vraiment tout joyeux, tout déconnant. Ce que tu dis, Étoile, n'a pas de sens. Parce qu'en fait, si j'avais été imposteur, j'aurais eu aucun intérêt à jouer. Pour que quelqu'un puisse buzz, j'aurais voulu que personne ne buzz et que je fasse le kill comme ça, en fait. Souviens-toi, il y a 4 rounds, il y a Xari qui meurt à côté des caméras. Il y a plein de fois où t'as plein d'infos au cam, tu parles pas. Non, mais déjà, toi, t'étais trop admin, Étoile. Ça, c'est non, mais c'est Étoile. Je joue tout le temps admin, moi. Je joue vraiment tout le temps admin. Allez, moi je pense honnêtement que bah bon. Allez, PA. C'était qui le deuxième imposteur qu'on a testé? C'était Baguera. Baguera, t'es grand, PA ce soir. Et j'étais, moi j'étais à. T'es grand ce soir. J'étais pas sûr à 1000%, mais quand même j'ai voté Baguera. Moi je te dis. Bon, on va se faire baiser par Antoine, mais. Allez. Ah non, c'est Étoile. PA, en fait, je pense pas que ce soit toi parce que t'aurais eu aucun intérêt à buzz en fait là. Du coup, pour moi, ça ne peut être que Étoile. Elle était gigantesque. Tu me le dis trop là, tu me. T'es l'Everest aujourd'hui, tu déploies tes ailes. Il y a pas mal d'éléments, même par rapport à ce que tu dis. Allez, PA. Let's go. Chez Baguera, chez. Très grand. Il est très très grand. Let's go. Let's go. C'était dur. Oh putain. Dommage, en fait j'ai vu 20 étoiles apparemment. Oui j'ai 20 étoiles. On fait un pogo. Quel choix. Mec, c'était dur. Tellement dur. Ça a trop géré. Je regardais, mais c'est qu'en fait, j'ai vu les gens arriver et en fait, il y a plusieurs fois où je les ai éloignés et juste au moment, grâce aux alertes, je te jure qu'ils n'ont pas vu les corps. Incroyable le pogo. Apparemment, j'ai vu 20 étoiles, mais moi, tu peux demander à ton chat de chill avec moi, s'il te plaît, étoile, ça serait cool. Mais j'ai pas bien vu. Et juste, du coup, est-ce qu'on peut buzzer sans light ou parce que ça, j'avoue que je savais pas. Non, tu peux pas. Ok, d'accord, c'était un bon argument. Remettre les lights, fermer la porte. Ok, d'accord. Je suis content parce que je sais pas trop jouer, mon imposteur généralement. Merci beaucoup à Wiking pour le 8ème mois, le Moon pour le 2ème mois et le Grumeau pour le 3ème mois. Merci à vous. Bon bah je suis en 100% de victoire hein, perso. Bonsoir. Bah oui, je suis safe avec Zari. Et Baguera la pauvre, elle a la tête dans mon cercle. En fait, oui, en fait le tout c'est que je me suis dit, oh les fleurs. Merci beaucoup, le beaucoup pour les 5 abonnements offerts, merci. Et Molska, merci pour le 3ème mois aussi. Merci le beaucoup pour les... Il ressort vraiment, ça aurait été genre Étoile ou Rivendi, j'aurais pas... T'as calculé PA là? T'as calculé? Ouais, non mais en vrai... Bon, là les fleurs, ça va être très très chaud. Je me suis dit, si ça passe, c'est trop stylé, tu vois. Si ça passe, c'était vraiment... c'était master. Ouais, mec, après... Non, je te jure, j'avais pas appris... Merci Wildfest pour le prime, merci beaucoup. C'est à droite et c'est la 2 ou 3ème. Merci. PA, t'es imposteur ou pas en vrai? Honnêtement. Non, mec, non. Ok. Mais vous aviez pas les clés, vous?
Bah si. Si. Mais c'est pas la mission la plus. Oui, mais moi j'ai toujours la première clé. Faut juste démarrer en contact, hein, c'est pas trop chaud. Gigi ? Oui. Oh ! T'es imposteur ou pas ? Non. Tu vas me tuer ? Non, bah non. Non. Ok, ok. Gros, non, vas-y. Moi, j'ai envie de dire, il y a Domingo, il m'a dit qu'il avait une clé. Hein. Ah bon ? Ah oui, non, il a dit que vous avez pas la clé. Clé, les gars. Bah non. Moi, j'avais pas la clé, moi. Moi non. Si, si, moi j'ai eu la clé en vrai. Ah, PA, y'a pas la clé. Moi j'ai eu la clé, j'ai eu la clé. Putain, mais y'a une pression. On le met dans le mal, le pauvre, alors qu'on a tous eu la clé. Putain, GG, les gars. Ah GG, elle est incroyable celle-là. Pensez quand même à faire, pensez à faire vos tâches les gars, c'est important pour le vaisseau et tout, enfin pour avancer au moins. Non, pas de problème. On peut rigoler, non mais on peut rigoler, mais on est là pour le taf. On peut rigoler, mais voilà, c'est ça. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Exactement, GG. Exactement. D'abord on bosse. Pour bosser quoi, si on commence à raconter que de la merde, c'est bon quoi. Jean Castex, s'il te plaît. Ouh, elle est longue ta quête là. Voilà, on va me tuer. J'aurais dû tellement croire en moi. J'ai pas osé, tu sais, parce que oh, j'aurais tellement dû croire en moi et shérif. Putain. C'est Antoine. Ne me tue pas ici. Nice. Antoine a tué Ponce. Sinon, Ponce, il a pas le droit de jouer ce soir ou quoi? Ponce a été tué il y a environ 4 secondes. Ultia est en train de. Ultia est en train de mentir. J'étais en train de remettre les lives. J'aurais dû croire. J'étais vu partir. Comment elles se sont éteintes, Ultia? C'est pas vrai. T'es en train de éhontément mentir. Jean n'avait pas la clé. Il a dit ça à premier degré, Jean Castex, son super soutien. Pardon, Ultia, vas-y. Attendez, c'est où Ultia parce que. Donc, moi j'étais aux caméras, il y avait Bagheera qui était collé à la cam. J'aurais dû y croire, ça aurait été énorme. Jiraya, Domingo et Antoine au niveau de. J'ai cru que t'allais le faire, j'étais à deux doigts vraiment. Et donc juste au-dessus. Et en fait, au cam, j'ai vu Antoine tuer sous les cams. Et ça m'étonne parce qu'en plus, lui qui est le maître des cams, bah. Je n'aurais jamais fait une chose pareille si j'étais imposteur. C'est où du coup je sais pas pourquoi t'as choc. Mais du coup, Domingo, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais c'est où exactement? Moi j'ai fini avec Antoine Light. La cam 2. Comment tu le vis de mourir first kill 3 fois? J'étais vraiment au Light, Ultia, et surtout je t'ai vu partir dans le sens opposé. Une seule fois les imposteurs qui ont gagné, c'était moi, donc pour le moment ça va. C'est du 100% de victoire de mon côté, c'est ok. En fait il y a un sens, en vrai c'est ok. C'est le sens opposé justement. Je me dis pourquoi elle ne fait pas les Light. Mais je l'ai dit plusieurs fois, il est au niveau de la poubelle. Ok. Pour moi c'est tout. Au-dessus de la cam. Moi j'ai le truc des clés, hein. Je suis très premier degré. Ah, faut que tu forces, Ultia. Je suis d'accord avec toi, PA, en vrai. Je peux pas. Eh ben, c'est Bagheera et Antoine alors. Non, je suis désolé parce que si elle le protège comme ça. C'est qui sur Electrical depuis genre un petit moment là? Il y a Jean. C'était Jean, c'était. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Il y avait. Et Jiraya et Domi, vous étiez où, vous du coup? Nous, vous avez quitté Ponce? À côté de Com, là, les quêtes. Ouais, en fait, on s'est quitté là. Mais surtout, en plus, ce qui est absurde, c'est que j'étais avec PA, Jiraya et Ponce il y a un petit moment, et jamais j'aurais tué Ponce, sachant que les deux peuvent dire que c'est moi, en fait. Non, mais c'est surtout qu'en fait, on était quatre. Il y avait donc Antoine, donc PA, vous Ponce et moi. Et en fait, PA et moi, on est partis vers les Com, Ponce est resté. Ah, faut que tu forces, Ultia. Et tout avec Jean Castex. Et nous, on est remontés avec PA quand les. Bah, c'est en 55. Les Christophe et l'extérieur. Donc, pour moi, c'est soit Jean, soit Ultia. Ah bah c'est alors c'est j'ai même dit Bagheera était en train de faire la caméra. J'ai vu Jean Castex au-dessus de moi, en fait je le voyais à travers. Bah il fallait mieux regarder ou alors c'est toi le deuxième. C'est Antoine. Oh là là, j'ai confiance à Ultia. C'est bien. C'est Antoine ou alors moi mais c'est Antoine. C'est bien joué Ultia. T'es juste la boss. Y a rien à dire. T'es la meilleure joueuse du monde. Yes. Et merci beaucoup Loris pour l'abonnement, merci Gwen Micha pour les 5 abonnements offerts sur la chaîne, merci Mike2 pour le 2e mois, Nebula Turtle pour le 5e mois, Sowan pour le 2e mois, Nico pour le 10e mois et Blinder pour le 11e mois. Merci à vous les fleurs, merci beaucoup. Non, il m'aurait pas mis devant. Tu es vengé, mais de ouf. Non mais moi en fait tant que je meurs, en fait, en honnête, hein, tant que je meurs et que du coup un imposteur meurt avec, bah en fait c'est gagné. Un pour un en tant que crewmate, c'est gagné en vrai. Pompon, est-ce que tu lis tes DM Twitter parfois? Ouais, je lis tous mes DM, par contre c'est impossible de répondre à tout. C'est même impossible de répondre de manière générale, mais je lis tout, hein. Tous mes DM, je les lis. Et ça me fait plaisir, j'ai plein de messages gentils et tout, je les lis. Complètement. DFG, fais un aller-retour sur toi-même si tu m'entends. Tu es une très jolie fleur. Merci Xmo pour le 3e mois, merci beaucoup.
Ah, vous savez, là, je vous jure que quand j'ai vu Antoine ne pas bouger devant cette truc, devant la quête, et que j'ai vu que les lumières s'éteignaient, j'étais à une seconde de le tuer. Mais vraiment, genre, je pense qu'une seconde de plus, c'était ça qui se passait de mon côté. C'était la souris qui allait sur le kill. Je suis deg. Et tes DM Insta. Ouais, je lis aussi mes DM. Exactement pareil. Moi, tous mes DM, je les lis. C'est juste que impossible de répondre à tout le monde. Parfois, ça m'arrive de répondre ou de répondre sous forme de story ou quoi, mais c'est impossible de répondre. Mais ouais, je lis tout et je reçois plein de messages super gentils et tout. C'est super, super cool. Ça fait plaisir, honnêtement. Merci Mandarine et Rose pour le Prime et Kaidram pour le 11e mois. Merci à vous. Ponce, tu as déjà été un imposteur. Ouais, j'ai gagné même. Il y a deux games, j'étais imposteur et j'ai win. Complètement. Ouais, mais Ultia t'aurait accusé. En vrai, Osef. Au pire, j'aurais fait mon job, j'aurais tué un imposteur. Au pire. Ils ont pas bougé, hein, les deux, hein. Mais en même temps, c'était la première fois de ma vie que j'étais shérif aussi, hein, donc j'avoue que... Ou alors j'aurais pu tuer Report et dire « Je suis shérif, je viens de le tuer ». J'aurais pu faire ça en vrai. J'aurais pu faire ça, mais j'ai... Ouais. Antoine, oui, tu sais que ce qui s'est passé... Bah tu m'as entendu parler, juste avant que tu me tues. Oui, bien sûr. Ouais, alors, parce que vraiment, j'étais à une seconde de te tuer, j'étais shérif. Mais non. Oui, si. Mais si. Mais le truc, mais en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment choc parce que je pensais vraiment que tu comment dire, que en fait, je voulais saboter les lumières et j'ai trop hésité longtemps. Et sauf que j'ai hésité longtemps, mais devant le bah oui. la tâche qui se fait en deux secondes. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est exactement. Cette discussion autour mais oui, cadavre. Oui, bien sûr. Autour du cadavre de Baguera, discussion chill. Allez, la plus ultime. Attends, moi j'ai une quête là. Allez, DFG. Ah oui, attends, je peux aller casser les couilles à DFG, c'est parfait. Seul DFG. DFG, l'énorme caca, l'énorme merde. DFG, le caca humain, le caca humain. DFG, je t'adore, mais je te déteste quand tu tues Rivenzy, mon meilleur ami. Ami, il est sérieux. Il est sérieux. Oh non, il a réussi à faire passer ça. Oui, oui. Viens, descends. Viens, tue-moi. Quoi? Ouais, vas-y, mets-toi là. C'est pas là. Sympa, mais non, mais c'est. Ouais, je me suis mis là. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une blague? C'est DFG, c'est pas Xari, c'est pas Ultia. Moi, je suis pas. Non, c'est pas Xari, il était là. Il était là. Mais comment ça, tu dis que c'est DFG et Xari alors qu'on a tué Jean sur. Non, j'ai dit c'est pas Xari, c'est pas Xari. Non, mais Ultia, moi je parle Ultia. C'est DFG ou Xari? Mais pourquoi Xari était là quand il y a eu le double kill? On était au Vitals, on a regardé, on a vu le kill. Mais il est juste à côté. Tu l'as vu le. Oui, oui, il est avec nous, Xari, il est avec nous. Ok, ok, ça marche. Alors ça marche. Du coup, j'explique ce qui s'est passé. On était en train de regarder les Vitals avec Jiraya, du coup. Rive ton micro. Aussi. Jiraya, toi t'es parti où, à gauche? Juste quand il y a eu les kills. Quand on arrive au Vitals, j'ai vu. Je sais pas si c'est un double kill, parce que voilà. Mais en gros, le vert foncé s'est fait tuer. Instant, ça allait très vite. Il y a eu qui. Mais je pense que c'est un double kill à très peu d'intervalle. Non, c'est pas un double kill. Attends, c'est pas un double kill. C'est pas un double kill. Mais attendez, donc j'étais mort depuis belle lurette. En fait, il y a deux kills. Ok, donc c'est bon. C'est ça qui m'a fait. Il y a deux cas de figure où ça peut être double kill. Non, c'est Antoine, c'est sûr que je l'ai vu. C'est DFG du coup, ça veut dire. Non, moi, Jiraya voit le vert. Je suis parti spécimen. C'est un pogo. Et je suis sûr qu'il n'y a personne qui est mort spécimen. Non. Moi, je pense que ça se joue entre Domingo et Étoile, parce que Rivenzy était avec eux quand je les ai laissés. Mais mec, alors zéro, je vous ai vu à la caméra avec Ultia et toi. C'était toi la cam, c'est Étoile. Mais bah non. Il date de quand le kill? Moi, depuis une minute, c'est Étoile avec Jiraya. C'est Étoile, c'est voté. Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut expliquer les choses de manière factuelle? On était en train de regarder les Vitals en mode oh, personne n'est mort. Et là, d'un coup, paf, Rivenzy est mort. Du coup, j'ai paniqué, je cherchais le corps. Jiraya, je sais pas si t'es parti vers la gauche ou vers la droite. Moi, je suis revenu vers la gauche. Tu parles qu'on avait les Vitals. Je suis revenu vers la gauche. Jiraya est parti vers la gauche. Personnellement, moi, je suis allé vers la gauche pour suivre Gigi. Après, j'ai fait Gigi, t'es où? Et je suis retourné vers la droite en niveau du sas de décompression pour aller à spécimen. Et c'est là que j'ai vu le cadavre de Rivenzy. Et comme par hasard, je suis la personne que j'avais vue, c'était DFG. D'accord. Et c'est vrai que DFG, quand on arrivait, il partait vers la droite. C'est exactement ça. Ok. Je confirme. Si on accuse DFG, il y a beaucoup de portes fermées. Écoutez, s'il vous plaît, mon pauvre est simple. J'étais avec Domingo, Étoile au niveau des caméras. Je suis parti à laboratoire avec Étoile, puis je suis parti spécimen.
Depuis ça, je n'ai revu personne. Et là, je suis dans le couloir en bas à gauche des spécimens. Mais Étoile, lui, était pas labo. Étoile est rentrée labo. Étoile est rentrée labo. C'est pas Ultia, gros. Et donc, c'est Étoile, Domingo. On vote qui? On vote qui? Je skip. Je skip. On buzz. On buzz. On buzz. Mais si, en fait, si Ultia n'a pas menti, il n'y a pas deux imposteurs. Ah, non, oui, non, il n'y a pas deux imposteurs, c'est sûr. Mais du coup, donc, c'est soit Étoile, soit Domi, soit DFG, c'est ça? On l'a vu partir quand nous on a vu. Oui, je suis parti spécimen. Mais je t'ai expliqué mes courses. Ranger mes courses. Merci beaucoup, Mister Rémi, pour le 12e mois d'abonnement. Merci, Falcon Industry, pour le 2e mois. Sylvéré, merci pour le 4e mois. Nasus, Nasus Wanwa, merci pour le Prime. Et Murkson, merci pour le 4e mois. Merci pour le Prime, Nasus. T'as vu, même Bagat, merci. Merci à vous, les fleurs, merci beaucoup. Je voulais voir le clip. Attendez, je veux juste voir ce clip. Apparemment, il est magique. Là. Tu es une très jolie fleur, mais j'arrive. C'est bon, il y avait du monde. Tu es une très jolie fleur. C'est infernal. Je me déteste. Je me déteste. Merci Pongy Pong pour le 4e mois et Falos pour le 11e mois, merci beaucoup. Rive ? Ouais. Ça va ? Mort comment ? Ouais. Ah, moi je suis mort, bah moi c'est comme d'hab, je suis le premier mort, frérot. Ça te dit, mec, on fait un pogo à deux ? Non. Comme ça, tac, ok. Super, bah j'y vais. Non, je déconne, vas-y, go 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 go. Ok, go go go, vas-y, go go go, vas-y, mets-toi au bout de là. Mets-toi au bout là. Ok. Allez, mec, écarte bien les bras. J'écarte les bras. Ok. Allez, 3, 2, 1. Pogo! Pogo! C'est de la merde! C'est nul! C'est nul à chier! Fou. Ouais. C'est pas fou! C'est pas ouf! On refait? On tente? Allez! Allez! On tente, allez! 3, 2, 1. Ouais, c'est bon! On écarte! C'est bon! J'ai 1, 2, 3, Pogo avec Gigi, avec Gigi, ouais, Gigi, Pogo, Pogo avec la Gigi, wouh, pas ouf, pas ouf. Et bah clic, sur le cadavre, Pogo. Oh, il y en a marre. Pas ouf. C'est... Rien dire. Bah forcément, ils ont tué les seuls qui étaient innocents au tour d'avant. Pogo sur le cadavre. Moi, j'ai fait en sorte d'être bien tranquille, qu'on me casse pas les couilles. DFG Étoile, vous étiez encore. Merci Antonus pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ça, on ah, il nous entend pas. Allô. Zary. Ouais. Allô. Ctrl R sur ouais, sur calling. Refresh Zary. Il sait qu'il est coupable et il fait genre en mode allô. On peut pas. Ouais, je pense que c'est bon pour Xav. Du coup, pardon, c'était quoi les questions? Vous êtes où? Avec Xav Office. En train de discuter que c'était complet. Un peu chelou. Office ouais. Du coup, Vitia l'a pas vu. C'est où déjà ça, Office, genre admin, admin Vital d'avant. Xary, tu confirmes? Je confirme rien, je vous entends plus. Mais tu m'entends là, non? C'est bizarre ça. C'est sa nouvelle strat. Non, il m'a dit qu'il avait les courses, il a un peu FK, la game a pas avancé en deux minutes. Xary, est-ce que t'étais bien okay. avec Domingo? Moi, je vous dis par élimination, ça peut pas être PH, je suis resté avec lui un siècle dans un round où il y avait les kills. Sachant que pour moi, je pars du principe qu'il n'y a plus qu'un imposteur. Ça peut pas être Ulkia parce qu'elle a cramé Antoine. Ça peut pas être Xary, donc c'est DFG par élimination. C'est soit DFG, soit c'est pas moi parce que tu m'as vu monter dans le dropship. Bah, tout d'accord, sauf que mec, t'essayes de. Oui, il m'a fait un truc safe, DF. Mais en fait, moi, je vous explique juste que ça fait deux rounds que ça ne peut absolument pas être moi. Et vous êtes convaincu que c'est moi quand même. Donc, mais parce que la round d'avant, Étoile me voit partir dans spécimen. Et du coup, je t'explique que j'ai fait tout le tour de spécimen. Je te vois pas partir dans spécimen. Bon, ok, bon, t'as vu la porte dans le fog s'ouvrir et tu sais que je suis dedans. Bon, c'est... Bah en tout cas, là, sur le kill, Étoile, tu faisais quoi? T'es rentré avec moi dans le laboratoire. Mais non, je suis pas rentré avec toi. Avant qu'on se rejoigne, moi je vois Étoile. Non, parce que c'est pas grand. DF, j'étais déjà en mode c'est chelou ton truc parce que je t'ai vu le suivre Étoile et Étoile, moi je l'ai retrouvé dans storage à ce moment. Pour moi, il est jamais allé labo dans ce moment. Il est rentré labo, il était avec moi quand je suis allé check sur White House. Merci beaucoup, Intinator. C'est pour ça que j'ai vu qu'il. Merci, Intinator, pour le 31e mois. Xary, t'es là. Merci beaucoup, Intinator, pour le 13e mois. Je suis 100% sûr que le verre va rentrer dans spécimen. Maximum de fleurs dans le jeu. Je comprends pourquoi tu. En fait, je comprends pourquoi tu comprends pas ça. Aussi, vous parce que j'étais pendant un siècle storé. Attendez, excusez-moi, mais vous m'avez même pas demandé où est-ce qu'il était le corps. PA. Moi, je sais juste qu'il est pas dropship. PA.
quand t'es venu, quand on était aux caméras, tu m'as vu sur les cams partir avec Étoile et tu as vu qu'Étoile est rentrée avec moi dans le laboratoire. Non, non, parce que par contre, non, j'ai pas mais vu ça. C'est simple, là, on avance pas du tout dans l'histoire. Je skip, mais je pense que c'est DFG. J'ai skip, on aurait peut-être du kill. Bon, le corps est où là? Ce n'est vraiment pas moi, donc on va trouver qui c'est. Et personnellement, je venais de quitter. Du coup, j'ai pas eu le temps de dire ce que je savais. Il pose aucune question. On avance pas du tout dans cette enquête. Il est où le corps? Tiens, on t'a pas écouté, excuse-nous. Les lights, PA, les lights, DFG, les lights, je sais que tu m'entends, je sais que t'es tueur, DFG, il va falloir remettre ces lights, bordel de cul. Ah merde, je suis mute. Ouais, je disais, DFG, il faut remettre les lights. C'est vraiment, ça fait deux rounds que tu me fous la grosse, je comprends pas pourquoi, DFG. C'est un citron qui fait un up, il dit, putain, c'est sont tout le temps ensemble, fais attention. S'ils sont tout le temps ensemble, ils vont bien voir que le kill ne vient pas de. DFG. 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 Oh, il va kill dedans. Il est propre en vrai le bout de goutte. Ça doit être un enfer pour lui. Après, ça va, t'entends pas très fort. En vrai, ça va. Vas-y, refais. La goutte ? Ouais. Tu l'as ? Ah mec, je suis dans un temple. Je suis un temple et tu en es la pierre. C'est magnifique ce que t'es en train de me dire, Rivenzi. Mec, tu es la pierre qui est posée tout en haut de ce temple. Et qui est la pierre de l'équilibre. Merci à toi. Avec grand plaisir, je suis l'équilibre. Regardez, j'ai l'impression que je vais plus vite. Ah mais non, c'est le lag. Ah mais c'est le lag en fait. Je vais sauter, pompon, je vais sauter. Non, on saute pas, ouais. En fait. Mec, t'es déjà mort, ça fera rien en fait. Tu seras encore plus triste. Non, mais fais rien. T'es déjà mort, mec. J'allais sauter. Mais ça sert à... en fait, ça ne sert à rien dans le sens où tu es un fantôme. Tu comprends ça? Il en met du temps. Je veux pas y croire. Bah, si tu es un fantôme, c'est-à-dire que là, si tu sautes. Regarde, si tu veux, je te montre, ok? Vas-y. Non. Ah! Bah non, mais putain, c'est de la merde, je vole, je suis un fantôme. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas sérieux, oui, du coup. Regarde, je mens. C'est pas une connerie, là. Ah, y'a Xar qui est mort, en plus, y'a Xar qui est mort, en plus. Il a saboté la com' juste avant qu'on puisse... Mais je fais rien du tout, frère, arrête. Moi, je pense que c'est... En fait, j'ai un doute, parce que DF s'est mis bien avec moi sur un truc, mais il l'a pas utilisé comme argument. Au moment où il est monté, il aurait pu me fumer, mais il m'a pas fumé. Mais pour toute la game, pour tout ce qui s'est passé, Étoile par rapport à Storage, le petit move, le truc où DFG a forcé pour rien, et Ultia, ce qu'elle a fait, moi, je mets DF. Je mets DF, et surtout, en plus... C'est quoi que j'ai forcé pour rien, dis-moi. Non, le truc là-bas, oh non, j'ai pas vu aller voter Étoile. Et... Pourquoi ça serait pas toi, Denis? Parce que c'est mes arguments. En fait, il y a des gens qui savent que je suis parti là-bas, que je suis rentré dans Spécimen et qui le disent pas. Bah qui? Bah, c'est Étoile, je t'explique. Mais il insiste. Mais Étoile, je l'ai vu 10 secondes après, on a fait une minute 30. Mais il est rentré avec moi dans le labo. En fait, je dis pas que c'est Étoile qui a tué, j'ai juste que Étoile c'est moi. Dis-moi. Quand j'ai vu le cadavre de Jiraya, personnellement, j'avais laissé DFG et Étoile ensemble. Comment ils auraient pu faire le kill de Reeve? C'est peut-être toi, Dominant. Quand t'as laissé le cadavre de Jiraya. Quand j'ai laissé le cadavre de Jiraya, quand je l'ai trouvé là. Où ça? Tu l'as laissé où déjà? Il est à droite de fusée. Quand je suis arrivé là, ben il y avait. Tout à l'heure là. J'étais avec Zary, qui a écrit que j'étais j'étais innocent. Ah oui, c'est vrai. Zary a écrit que j'étais innocent, c'était ça le truc. On a discuté de nos courses, okay, tout ça, oui, machin. Parce qu'il n'avait pas le PA innocent, je confirme. Ok. Il y avait le chat, là, il a écrit. Là, si Étoile me vote, c'est fini. C'était entre les deux. Donc mais pour c'est moi, ça peut pas être. Étoile aurait pas fait le kill. Étoile aurait pas fait le kill. En fait, je pense que c'est forcément Étoile. Il est trop fort, DFG. Je pense que c'est DFG. Mais non, mais en fait, juste par élimination, si PA et Ultia sont persuadés que c'est pas l'un l'autre, et moi je pense vraiment que c'est pas PA parce qu'on a été dropshippés ensemble à un moment où c'était un peu cadeau s'il avait voulu me tuer. Non, mais DFG. C'est que Étoile, en fait, Étoile, juste le fait qu'il backup pas ma version, et que en fait, PA peut pas backup la cam malheureusement, mais que Étoile dise qu'il est pas rentré au laboratoire et qu'il m'a pas vu le spécimen, c'est faux. Pour moi, je vote Étoile. Ta situation, elle est horrible. Enfin, Anton, il est mort dès le début. Ultia, je sais que t'es en doute. Xav m'a innocenté. Ah, c'est horrible là. Je pense que par rapport à la game d'avant, ce qui s'est passé sur la si voie d'Étoile. Bah, j'écoute Xavi en plus, il avait un. En fait, si vous voulez tout, skipper, il faut que Étoile me vote. Et Ultia, tu dois voter Étoile.
Je pense que c'est DF, Ultia. Non, mais je pense que ça passe skip et vous allez perdre et ça perd comme tout à l'heure. Vous allez voir. Pourquoi je vote étoile, vous finissez vos têtes. Non, vote DF. C'est votre DF, je pense que c'est fini. Ce n'est pas moi. Je pense que c'est DF. Je pense que c'est DF. Ultia, Ultia, tu sais que c'est DF. Je prends tout sur ma gueule. Le problème, c'est que PA, tu sais que c'est pas moi normalement. Mais vu que t'as pas vu la deuxième caméra, tu sais pas. Non, 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 non. Bah, t'as bien fait. C'est si dur. Oh là là, il est fort de ouf. Il est trop fort. Oui, c'est vrai. Finissez vos tasks. Il a pas la même attitude que la game d'avant. Oui. Merci Amsterik pour le 14e mois. Merci Ifoxis pour le 7e mois. Merci Geoff pour l'abonnement de niveau 3. Et merci Antoine DBX pour le 11e mois. Merci beaucoup. Ah non, ouais. Étoile, ça me juste buzzer, voter DFG et go next. Bah, si c'était moi, je voudrais bien. Et c'est reparti, joyeux. Après, prends pas la voix de la game d'avant. Franchement, cette histoire de. Ah mais vous savez c'est dur hein. Quand attendez et n'oubliez pas que quand on joue au jeu, on n'est pas omniscient hein. Vous avez peut-être les POV de tout le monde, vous savez, machin, mais quand tu joues au jeu, tu n'es pas omniscient, c'est-à-dire que tu ne sais rien, tu as juste ta vision des choses, c'est ultra dur. Oh. Qu'est-ce qui arrive? Rien mec, je t'écoutais. Ah, okay. Raison, c'est vrai. C'est très très dur de non mais oui, c'est vrai, on n'est pas en confiance, surtout quand des situations comme ça, trouver le deuxième. Ouais. Molo. Je t'entends pas. Molo madame, molo. Bon, bah, je t'écoute, OK. OK, ah, ils vont parler. Merci Ibezi pour le 12e mois. Merci beaucoup Ibezi. Mais qu'est-ce que pourquoi c'est retour DFG? Moi j'ai fini depuis une demi-heure frérot, j'en ai rien à foutre. Il me reste trop de tasks mais j'essaie trop de. Mais on vient en base Julien, on va dire j'ai une game, c'est sur ma gueule. C'est sur ma gueule. Bah d'accord, c'est sur ta gueule. Bon, c'est le classique de DF, et Xarim l'a bien précisé. Oh, il a teinte. Ah bah. Ah bah. Oh non. Mais je suis derrière. Mais là, alors là, bah alors là, parfait, mec. En vrai, parfait que t'es buzz maintenant, c'est parfait. Je suis en dessous, pas dans la pièce, c'est magnifique. Oh, merci. Domingo, c'était ça qui poussait. J'ai dit, il gagne de cette game sur les épaules. S'il y a, je vais partir sur le postulat qu'a fait Domingo, qui était. Oui, t'as trouvé le premier. Moi, j'ai trouvé le deuxième. C'est DFG. Écoute-moi. Let's go. Attends, Ultia, tu vas te tromper, mais c'est pas grave. Mais juste sache que je suis pas dans la pièce. À la fin, je suis en dessous. Oh, mais continue en plus! Mais il est bon, il est très capable. Il est très bien. Oh là là, mais cours! Je vote DFG. C'est lui qui est là. Il mérite la mérite. Il mérite vu avec c'est ma bro ça. Quel game, quel game. Ça, il mérite que je fasse un pogo. Oh là là. La grosse pogo, gros pogo. Let's go! Mais GG DFG. DFG, t'es bouillant. DFG. DFG. Bravo. On est d'accord, mais tu m'entendais tout le temps. Incroyable. Tout le temps, c'était super, j'adorais. Il est injouable ce mec. Est-ce que quelqu'un m'a bien fait une ouais, on t'entend, Xari. Moi je t'entends, Xari. Okay. On t'entend, ouais. Non, mais quand je te parlais, tu me répondais pas donc ça me saoulait. Non, mais je bug un peu. Alors, Antoine, on te fait sous les cales. Ouais, let's go. Mais vous savez que, en fait, vous savez ce qui s'est passé avec Antoine? C'est genre, non. Moi j'étais shérif. J'étais shérif. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Antoine viser sa quête. Et j'ai commencé à dire tiens, Antoine, tu mets du temps pour faire ta quête. Et en tant que shérif, j'étais à une seconde de le tuer. Il m'a tué. Let's go. C'est sûr, c'est bon. Peut-être en une seconde. Petit AFK bio, 2 minutes. De toute façon, on va partir sur The Scale de DFG. Va créer une. Ah, vas-y. Ouais, d'accord, ok. On change de room. Antoine, t'as kill sous les cams au KLM? Oui, je choke comme une merde. Voilà. Voilà. Ça...